Présidé par Eloge Romial Moutou, président de la coordination départementale de l'Association nationale des sourds de déficients auditifs du Congo, cette assemblée générale nominative a débuté par la présentation du bureau de l'association, puis les 6 commissions des 6 arrondissements du département de Pointe-Noire. La dite commission mise en place pour lutter contre l'insécurité au milieu des sourds. Les présidents et vice-présidents de ces commissions ont reçu des lettres de nomination et des badges des mains du président de cette association qui a d'ailleurs donné les raisons de cette rencontre. Nous avons constaté les sourds marchaient mal. Maintenant, nous voulons améliorer pour que tout devienne propre. Alors, ça va nous permettre de progresser. Ces 4 responsables membres du bureau sont choisis, sont nommés pour accompagner le président à travailler. Nous appelons la responsable de la ville à soutenir notre objectif. Parce que nous passons les moments difficiles. Maintenant, nous demandons aux responsables qu'ils entendent parler des sourds. Il faut accepter de rencontrer les sourds. Et écoutez, leur problème, c'est quoi? Parce que la responsable ne connaît pas la culture des sourds. Philomène Ngolo Apa, secrétaire chargée de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant sourde, a profité de ce mois de la femme pour rappeler les droits des femmes et filles sourdes. Beaucoup de femmes sourdes au Congo ne connaissent pas ce qu'est la violence faites aux femmes, aux jeunes femmes sourdes. Nous voulons les autorités acceptent nos demandes de recevoir du financement pour aller à parcours d'Orizi, Pointe-Noire, Cali, juste à Brazzaville, pour sensibiliser la violence faite aux femmes et aux jeunes femmes sourdes. Nous informons pour les autorités de la ville de Pointe-Noire, quel que soit à préserver, il ne faut jamais accepter les demandes faites aux personnes individuelles qui viennent dans le bureau de l'agent au nom de l'association. N'acceptez pas. Et je ne parle pas de moi ici. Nous avons sûrement une seule association, Mostafo, l'association des sourds. Pour votre gouverne, cette assemblée générale était également l'occasion de renforcer les capacités pour lutter contre la discrimination, l'influence des sourds aux plus faibles, la violence physique et bien d'autres aspects.